J'ai besoin de plein de trucs. Ma brosse à cheveux est complètement fichue déjà. Bah, tu veux aller faire du gringa au Thorn. Papa, n'importe quoi. Ne t'en fais pas, ma chérie. On va y aller bientôt. En attendant, arrête de penser à rien. Vous cherchez du boulot ? Vous n'êtes pas du coin. On a besoin d'aide pour ramasser les melons. Vous avez quelque chose d'intéressant à troquer. Je vous donnerai des capsules en échange. D'accord. Je peux donner un coup de main. Merci, c'est sympa. Faites ça quand vous aurez le temps, il n'y a rien d'urgent. Vous voulez faire affaire ? Qu'est-ce que vous avez ? C'est pas grand-chose, mais j'ai quelques fournitures de base. Munitions, médicaments, enfin, ce genre de choses. On s'attend plutôt à trouver des fruits et des légumes dans une ferme, pas des munitions et des médicaments. Les pommades et les melons sont pour le marché de Diamond City. Et pour nous aussi. Ça vous intéresse quand même ? D'accord. Arrêtez-vous là. On est des gens paisibles et on veut pas d'ennuis. Ne vous inquiétez pas. Je ne veux pas d'ennuis non plus. Ouais. Mais attention, on est armés, alors pas de coups fourrés. Croyez-moi, l'agriculture, c'est pas de tourpeau. Dans les champs, tous les jours, du matin au soir, sans compter qu'il faut constamment avoir des yeux derrière la tête. Qu'est-ce que vous cultivez ? Jusqu'ici, surtout des pommades, mais on va se mettre au melon. Blake Abernathy. C'est la première fois que vous venez dans le Commonwealth ? Oui. Et non. C'est une longue histoire. En tout cas, ça fait plaisir de voir une nouvelle tête. Et vous ? Ça vous dit rien de travailler la terre ? Qu'est-ce qu'il faut pour démarrer une ferme ? Mon père vous aurait parlé de ces trois T. Terre, travail, tendresse. Il faut du terrain, il faut passer ses journées à trimer dessus, et il faut aimer ça. Ceux qui n'aiment pas ça ne font pas de vieux os. Un petit conseil, si vous montez une ferme, attendez-vous à avoir affaire aux pillards. Pourquoi se crever toute la journée quand il suffit de pointer son flingue et de se servir, hein ? Arrêtez de vous plaindre et défendez-vous, alors. On voit que vous êtes pas du coin, ma petite dame. On ne résiste pas aux pillards, pas si on tient à la vie. La dernière fois que les pillards nous ont attaqués, ma fille Marie a essayé de leur tenir tête. Maintenant, elle est enterrée derrière la maison. Elle avait que 21 ans, et ils l'ont abattue sans se poser de questions. C'est pour ça qu'on a besoin des miliciens. Et le plus tôt sera le mieux. Il n'y a rien de pire que de perdre son enfant. Croyez-moi, je sais de quoi je parle. J'en suis désolé pour vous. J'ai pas grand-chose à offrir, mais... Les pillards qui ont tué Marie lui ont pris son médaillon. Il est dans la famille de Connie depuis des générations. On vous en serait très reconnaissant si vous pouviez nous le rapporter. Vous savez d'où ils viennent ? Oui, je crois. L'un d'eux a parlé d'Olivia quand ils étaient là. À mon avis, ils se terrent dans l'ancienne base de l'armée de l'air. On a de gros problèmes. J'espère que vous serez en mesure de nous aider.
Bingo. Joli. Ouais. Vous direz de gagner quelques capsules? J'aurai besoin d'un coup de main quand vous aurez fini de gober les mouches. De quoi vous avez besoin exactement? J'essaie de réparer cette vieille pompe. Elle doit être pleine de merde. Faudrait que j'arrive à la désengorger. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? La pompe est pas en très bon état, mais elle devrait démarrer. Il doit y avoir des joints pourris qui causent des fuites. Vous pourriez réparer ça? Les fuites doivent être sous l'eau. Vous devriez les trouver en cherchant les bulles. Oh!
doit bien y avoir moyen de... Ah, voilà. Salut. Des fangeux. M'étonne pas que ça les ait dérangés, ceux-là. Bref, j'ai encore du bricolage à faire sur ce truc. Mais bon, ça devrait plus être difficile. Merci du coup de main. Tenez, prenez ça avant de partir. Et voilà.
Ça y est. Ouais. C'est bon.
Génial. Ouais.
Salut. Qu'est-ce que vous voulez? On a assez d'ennuis comme ça. Vous n'avez pas demandé de l'aide aux miliciens? Vous êtes des miliciens? Je pensais pas que vous existiez encore. On a bien dit à un marchand ambulant de faire passer le message, mais je ne pensais pas que ça servirait. Les gens ne font plus confiance aux miliciens depuis Quincy. Ça leur a donné une mauvaise image. Vous avez besoin de mon aide pour quelque chose? Ouf, et comment? Ça fait plaisir de pouvoir compter sur vous. Une bande de pillards nous harcèle depuis des semaines. Ils nous prennent nos récoltes, notre matériel, et ils menacent de nous tuer si on refuse. On sait d'où ils viennent, mais ils sont trop nombreux pour qu'on puisse leur tenir tête. Ne vous inquiétez pas, je vais m'occuper de ces pillards. Merci. Si les miliciens redeviennent ce qu'ils étaient, les choses vont s'arranger. J'ai retrouvé votre médaillon. Vraiment? Alors ça, c'est une bonne nouvelle. Connie ne va pas revenir. Elle vous fera sûrement des ristournes après ce que vous avez fait. Et servez-vous de notre atelier autant que vous le voulez.
Prenez soin de votre arme, et elle prendra soin de vous. Oui ? Hey. Vous avez le jet que je vous ai demandé. Tenez, une dose de jet. Merci. Et maintenant, laissez-moi décoller aussi haut que la vision voudra bien m'emmener. Service à vous demander. C'est idiot, je sais, mais j'ai bien besoin d'une chaise. Quelque chose d'un peu plus doux pour mes vieux os. Vous pourriez faire ça pour moi? Je me ferai un plaisir de vous aider. Merci.
Pardon. Parlez plus fort. Eh ? Revenez plus tard. J'ai besoin de me reposer avant de refaire appel à la vision. Au moins, il ne pleut pas. Comment ça va, mon vieux ? Alors, mon grand, tu penses pouvoir trouver quelque chose pour moi ? Va voir s'il y a quelque chose d'intéressant dans le coin, mon grand. Je ne peux pas crocheter ça. Un jour de plus dans le Commonwealth.